ingénieure chez Bayac, du coup, donc moi je suis sur la partie propulsion, donc mon métier consiste à faire la partie études, suivi réalisation des armoires, comme on peut voir derrière nous, tout ce qui est programmation, des automates qu'on a dans les différentes armoires. Une classe préparatoire à Brest. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur informatique industrielle à Grenoble. J'ai commencé à travailler dans l'industrie, donc plutôt dans l'automobile, pendant 3 ans. Et je suis arrivée chez Bayac dans la marine. Je pense qu'il faut être assez pluridisciplinaire, réactif, une capacité d'adaptation. Aujourd'hui, ce que j'apprécie, c'est justement d'être transversale, concevoir mon projet et ensuite, à la fin, de le mettre en service et de le voir fonctionner à la fin. C'est ce qui est le plus intéressant. Pour moi, c'est plutôt une force. Enfin, j'ai jamais rencontré de difficultés par rapport à ça. Aujourd'hui, dans le monde, ici avec mes collègues ou les autres personnes qui sont en coactivité dans le navire, j'ai jamais de problème. Et même mes collègues sont quand même plutôt bienveillants avec moi. Et après, je sais qu'on va peut-être me demander des fois de montrer un peu plus mes compétences par rapport à un homme au départ. Mais une fois que j'ai montré que je connaissais mon métier, ils connaissent mes compétences et tout se passe très bien.